1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Encore. Super! Si ces enfants peuvent lire et compter, c'est grâce au projet d'amélioration de la prestation de services éducatifs, PAPS, encore appelé « Mon enfant apprend mieux à l'école ». Le projet a été mis en œuvre par le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale pour accroître l'offre préscolaire et améliorer les résultats d'apprentissage dans les écoles primaires. Ainsi, depuis 2019, 117 centres préscolaires communautaires et 214 classes de pré-primaire répondant aux normes et standards ont été construits, équipés et pourvus de blocs latrines. À travers ce projet, et j'insiste là-dessus, on envoie le préscolaire en milieu rural, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça c'est déjà à saluer. Parce que lorsqu'on regarde les taux d'accès aux primaires, on se rend compte que dans certains milieux, en milieu rural, dans certaines localités, on n'a pas des taux d'accès aux primaires très élevés pour diverses raisons. Alors, l'un des objectifs du préscolaire, c'est justement d'accroître ce taux d'accès-là. Parce que les études montrent que quand un enfant a fait le préscolaire, en tout cas, on a 99% de chances, en tout cas, de voir les parents l'inscrire au primaire. Les infrastructures ont eu vraiment un impact positif, il faut le reconnaître. Le PAPS a investi. J'en veux pour preuve. La plupart du temps, les enfants scolarisés au CP1 avaient beaucoup de problèmes. C'est pour cela que nous avons été désignés, détectés comme étant une des régions en Côte d'Ivoire où les enfants ne savaient pas lire, où ils ne savaient pas écrire, où ils ne savaient pas compter, jusqu'à parfois même au CM2. C'est vrai que il y a qu'ils parlent beaucoup leur patois à l'école, c'est vrai, mais il y a qu'ils ne faisaient pas le primaire avant d'aller faire le CP1. Alors qu'avec le PAPS, on a pu combler un tant soit peu ces déficits en ayant toujours des pré-primaires dans nos établissements. Le projet Mon enfant apprend mieux à l'école a aussi permis de recruter et former au moins 234 éducateurs préscolaires communautaires et 234 assistants préscolaires communautaires pour l'encadrement des enfants dans les centres préscolaires communautaires. En plus de la formation, ces EPC et APC bénéficient d'un suivi et d'un encadrement pédagogique assuré par les conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire pour le renforcement de leurs capacités afin de bien former les enfants. L'encadrement pédagogique se passe très bien. On a très souvent la visite de la directrice et du conseiller et aussi on reçoit des journées pédagogiques. Ce sont des formations qu'on reçoit lors de ces journées pédagogiques-là, avec nos encadreurs qu'on a eus au début pour la formation initiale. Ces centres préscolaires communautaires et classes de pré-primaire sécurisées ont déjà accueilli plus de 38 271 enfants de 4 à 5 ans, dont 19 113 filles. La présence de ces écoles maternelles impacte déjà le niveau des enfants et le quotidien des communautés rurales bénéficiaires, tant sur le plan économique que sur le plan social. Avant que le projet ne vienne, si tu te réveilles le matin, l'enfant est là. Tu vas avec l'enfant au champ. Arrivé au champ, l'enfant est là, il pleure, tu n'es pas tranquille, tu ne peux pas travailler. Donc depuis que le projet est venu, je fais mon petit champ là, 1 mètre carré. Mais si mon enfant est à la maison, je n'ai plus de problème. Donc je travaille, les champs sont dehors, on a agrandi les champs. Vraiment, tout marche bien. On est vraiment content dans le village. Pour ce que le projet a changé dans nos villages. Le projet a beaucoup fait pour nous. Parce que les enfants, pour arriver au CP1, c'était très difficile pour eux de dire bonjour. Même pour savoir qui est monsieur, qui est madame. Et ils n'étaient pas. C'était qui était monsieur, qui était madame. Avant, l'enfant, pour dire bonjour, même arrivé à la maison, l'enfant ne disait pas bonjour. Dès qu'il arrive, il jette le sac et puis il s'en va s'asseoir. Et maintenant, on a vu que les enfants sont vraiment mobilisés. Quand ils arrivent, ils viennent auprès des parents pour dire bonjour maman, bonjour papa. Le projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, PAPS, ou encore appelé projet Mon enfant apprend mieux à l'école,
en raison des disparités régionales au niveau des résultats scolaires, cible les régions qui présentent les taux les plus faibles et qui figurent également parmi les plus pauvres du pays. Il s'agit des régions de la Bagoué, du Béré, du Boukani, du Kabadougou, du Poro et du Tchologo.